ouvrez un maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémi Langevin, en conformité avec les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 323 de la loi sur les cités et villes, M. Le maire Jean-Guy Desrosiers m'a donné instruction de convoquer une séance extraordinaire du conseil municipal, laquelle se tient ce lundi 10 décembre 2012 à 19h à l'hôtel de ville. Merci, M. le greffier. Je souhaite la bienvenue aux gens en salle et ceux qui auront la chance de nous écouter. La chance de nous écouter mercredi à la télé communautaire. Donc, on en serait à la présentation du budget par le maire et M. André Lévesque. Donc, je vais commencer par faire le discours du maire sur la présentation du budget 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de mes confrères, membres du conseil municipal, il me fait plaisir de vous présenter les prévisions budgétaires de la ville de Montmagny pour l'année 2013. Prévisions qui sont d'ailleurs les dernières du présent mandat. Nous commencerons par vous présenter le budget d'opération pour ensuite aborder les projets d'immobilisation prévus pour 2013 dans notre plan triennal d'immobilisation. Prévision budgétaire, considération. Dans l'élaboration des prévisions budgétaires 2013, nous avons maintenu le principe selon lequel les services tarifés doivent s'autofinancer, en nous basant sur le concept utilisateur-payeur. Ce sont les gens qui bénéficient d'un service spécifique qui doivent en payer le coût. Les services qui font l'objet d'un tarif sont les matières résiduelles, l'eau de consommation, les égouts et une partie des services incendie. Cette année, c'est principalement au niveau du service des matières résiduelles que nous devons faire face à des augmentations majeures. En effet, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie nous a avisé d'une augmentation majeure à compter de 2013. Cela faisait 5 ans que nous bénéficions du même tarif. L'augmentation annoncée est de l'ordre de 57 %. En raison de cette situation hors de notre contrôle, nous avons pris les dispositions nécessaires pour étaler l'impact de cette augmentation sur 3 ans. Ce qui nous permet de limiter l'augmentation du tarif en 2013 à 6 % dans le secteur résidentiel. Nous avons opté pour cette façon de faire afin de respecter l'engagement annoncé dans le discours sur la situation financière, c'est-à-dire que l'augmentation de la taxe soit inférieure au coût de la vie. Pour ce qui est des programmes incitatifs résidentiels, commerciaux et industriels, pour 2013, le conseil municipal a décidé de maintenir les programmes d'incitatifs. L'incitatif résidentiel offre un crédit de taxe de 12 mois à partir de la date de construction pour une résidence, alors que le crédit de taxe pour les constructions de logements 4,5 sera de 2 ans à 100 % et celui des unités de 5,5 seront de 3 ans à 100 %. Et ce, toujours dans le but d'encourager la construction d'unités de logement pour les familles. Sur le plan commercial, comme mentionné en novembre dernier, nous avons réinstauré l'incitatif qui est un crédit de taxe sur les droits de mutation ou taxe de bienvenue jusqu'à un maximum de 5 000 $. De plus, nous maintiendrons le programme de rénovation de façades dans le secteur centre-ville jusqu'à l'épuisement du budget établi l'an passé, soit 100 000 $. Ce programme prévoit une contribution de la Ville équivalent au tiers des coûts du projet admissible pour un maximum de 20 000 $. Quant à lui, le volet industriel offre un crédit pour la taxe de bienvenue pour un maximum de 10 000 $ et un crédit de taxe sur l'augmentation de la valeur de l'immeuble suite à un investissement
réalisé par le propriétaire. Un investissement sur la bâtisse. C'est pas un investissement sur l'équipement, c'est important. Objectif du conseil municipal. Comme je l'ai mentionné en novembre, je tiens à répéter que les objectifs du conseil municipal sont le service à la clientèle, l'accès aux services, le développement économique, le maintien de la qualité de vie tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Prévision budgétaire, je vais me joindre à M. André Lévesque, trésorier, pour procéder à une présentation plus détaillée des différents éléments des prévisions budgétaires 2013, et pendant lequel je me permettrai de formuler certains commentaires au besoin. Donc, je prends quelques minutes pour me déplacer avec M. Lévesque pour présenter le budget 2013. Mon voisin de droite, M. André Lévesque, est directeur aux finances, donc je lui cède la parole pour commencer à nous présenter le budget 2013 en détail. Bien, merci M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, c'est notre visite annuelle pour présenter les budgets pour l'année qui vient. Donc, dans l'élaboration du budget, le Conseil a donné certains paramètres et a dû tenir compte de certains facteurs d'influence lorsqu'il a fixé les paramètres pour que la direction de la ville puisse faire l'élaboration du budget. Donc, on parle du contexte économique régional et local, une approche de stabilisation et de réserve en ce qui a trait au budget concernant les dépenses d'opération. Limiter l'impact financier des augmentations jugées essentielles. On en a glissé un mot tout à l'heure, d'ailleurs, avec la gestion des matières résiduelles. De même qu'un autre élément très important, c'est le dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière triennale qui prendra effet le 1er janvier 2013. À cet effet, j'aimerais ça peut-être qu'on prenne un peu de temps pour justement parler du rôle foncier et des impacts pour les citoyens des valeurs. Je veux juste dire, prévenir les citoyens, écoutez clairement ce que va dire M. Lévesque, parce que ça va expliquer toute la mécanique que nous employons pour ramener ça à une valeur 2012 pour établir les augmentations 2013. Donc, si ce n'est déjà fait, vous avez dû recevoir, tous les propriétaires de la ville, propriétaires d'immeubles en ville, ont dû recevoir un avis d'évaluation. C'est un formulaire bleu où on présentait la nouvelle valeur et on comparait la valeur en 2012 avec la nouvelle valeur qui aura effet en 2013. Donc, on peut dire qu'en moyenne, les valeurs foncières de l'ensemble du parc immobilier de la ville de Montmagny ont progressé de 13,45. Par contre, au niveau des différentes catégories d'immeubles, cette progression-là a été différente. Donc, on a ce qu'on appelle un transfert de la charge fiscale entre les catégories d'immeubles. À titre d'exemple, les immeubles de la catégorie industrielle ont eu une progression de 5,6, alors que les immeubles résidentiels, on parle ici principalement de l'unifamilial et de moins de 6 logements, c'est 15,55 d'augmentation de valeur. Donc, si on prend le nouveau rôle triennal foncier qui va avoir lieu et qui rentre en fonction le 1er janvier 2013, la valeur moyenne de la résidence familiale, unifamiliale, passe de 129 790 à 149 970. Donc, c'est la valeur d'accroissement de la valeur de votre propriété. Puis c'est quand même un chiffre important à retenir. Quand on veut se comparer à d'autres municipalités, il faut prendre la même donnée, la valeur moyenne d'une résidence à Lévis ou à Sainte-Marie-de-Beauce ou à Saint-Georges, et à ce moment-là, le faire en relation avec la nôtre pour être capable de voir la différence entre les deux municipalités, parce que Lévis, une maison qui peut avoir une valeur de 150 000 à Montmagny peut avoir une valeur de 250 000 à Lévis. Donc, quand on regarde le taux, il ne faut pas regarder simplement le taux de taxe, il faut regarder la valeur de la maison moyenne pour être capable de faire une comparaison qui est justifiable, justifiée aussi. Donc, ces valeurs-là vont être valides pour les années 2013 à 2015 inclusivement.
Donc, à moins qu'il y ait des améliorations qui forceraient la réévaluation de l'immeuble. Donc, c'est des valeurs dont on aura à tenir compte pendant 3 ans. Donc, lorsqu'on parle de taux de taxation pour l'année 2013, je vais essayer de vous démontrer de façon assez claire là, la façon dont on s'y est pris. Donc, si on prend une des... Parce que l'exercice que je vais vous montrer, on l'a fait pour chacune des catégories d'immeubles qui bénéficient qui est doté d'un taux de taxation particulier. Donc, si on s'en tient aux immeubles résidentiels, donc les immeubles de moins de 6 logements, donc le taux en 2012 qui était appliqué, c'était 1,2198 du 100 $ d'évaluation. Les valeurs foncières imposables de 2012 pour cette catégorie d'immeubles-là seulement, là on parle du résidentiel, c'était 486 433 000 $. Donc, en 2012, on a généré avec cette taxe-là des recettes pour la catégorie résidentielle, je le précise, de 6 millions de dollars. Donc, on se retrouve en période budgétaire, on a un nouveau rôle foncier et ce qu'on veut faire, c'est partir avec le même taux. Donc, comme les valeurs foncières ont changé, on doit rétablir le taux, donc on doit le moduler. Donc, pour des recettes de 6 millions en 2012, on prend les valeurs foncières de 2012 et on leur applique la majoration qu'on a constatée lors du dépôt du rôle, donc 15,55% d'augmentation. Donc, nos valeurs foncières imposables résidentielles passent de 486 millions à 568 millions. Donc, pour obtenir la même recette qu'en 2012, la Ville doit reviser le taux à la baisse. Donc, le nouveau taux de base de 2013 est à 1,0561. Donc, en taxant avec ce taux-là, on aurait les mêmes recettes en 2013 qu'on a en 2012. Donc, on a comme un gel à ce niveau-là. Puis ça, on le fait pour toutes les catégories. On le fait pour l'industriel, on le fait pour le commercial, puis on le fait pour autres. Agricole et le multilogement. Quand je parle de multilogement, c'est 6 logements et plus. Donc, le conseil, dans les paramètres qu'il avait demandé à l'équipe de direction, c'était de limiter la hausse de la taxe foncière à 1% seulement. Donc, un coup qu'on a déterminé le taux 2013 de base à augmentation zéro, l'équipe de direction de la Ville avait la possibilité d'augmenter ce taux-là jusqu'à un maximum de 1%. Ce qui est arrivé, c'est qu'en élaborant le budget, bien, finalement, on n'avait pas besoin du 1%. Donc, on a eu une hausse réelle de 0,9%. Donc, on est en bas du 1%. Donc, on a respecté votre commande, Monsieur le maire. Donc, on prend notre taux de base à 1,0561, donc dont on a fait le calcul tout à l'heure. On y ajoute 0,9%, donc ça nous fait un taux pour l'année 2013 au niveau résidentiel, je le précise, de 1,0656 $ du 100 $ d'évaluation. En répétant cet exercice-là, comme M. le maire l'a précisé, à chacune des catégories d'immeubles, nous arrivons avec nos 4 taux de taxation que nous utilisons. Donc, les immeubles de la catégorie industrielle sont dotés d'un taux de 2,37. Les immeubles de la catégorie non résidentielle, là on parle des commerces et institutions, de 1,99 $ du 100 $ d'évaluation. Les immeubles de 6 logements et plus, donc les gros blocs appartements, c'est 1 et 22. Et les immeubles de la catégorie résidentielle et tous les autres immeubles, là, les fermes, les lots à bois, les chalets, c'est 1,0656. $ du 100 d'évaluation. Donc, ça respecte encore là le taux de croissance de chacune des catégories. Donc, pour faire boucler la boucle en ce qui concerne le nouveau rôle d'évaluation foncière et les taux de taxation, vous avez dans le tableau que vous pouvez voir à l'écran la valeur moyenne de la maison qui passe de 129 000 en 2012 à 149 000. Donc, on a un 15% d'augmentation. Le taux de la taxe foncière qui était à 1,21 est ramené à 1,06 sous finalement. Donc, le montant de la taxe foncière comparable entre les deux années, bien, c'est 0,9% d'augmentation. C'est 14,90 $. Donc, si votre propriété est évaluée aux alentours de 149 000 $ ou 150 000 $ sur l'avis d'évaluation que vous avez reçu au cours des derniers jours, bien, vous pouvez vous attendre à avoir une augmentation de la taxe foncière d'environ 15 $. C'est-à-dire que ceux qui ont une augmentation à peu près de 15 %, même s'ils étaient évalués supérieurs à 149 000 $,
nous ne verrons pas de, nécessairement de différence, et ça va avoir 0,9% de différence. Mais ceux qui ont supérieur à 15%, ben, il y aura la différence entre le 15 et le 18 ou le 19 ou le 20%. Et ceux qui sont en bas recevront une réduction de taxes par rapport à ce qu'ils avaient à payer l'an passé. Puis ça, c'est la redistribution de l'assiette fiscale qui est faite selon des modalités par... est-ce qu'on dit couton, ça? Oui, non, mais qui est fait sur des bases de remplacement de l'édifice. Ensuite de ça, par rapport au marché. La valeur au marché. Et ensuite de ça, il y a une troisième raison. C'est l'unité de voisinage, c'est-à-dire les comparables qu'on peut retrouver aux alentours. Aux alentours, c'est ça. Ça veut dire que où il y a eu plus de transactions, puis que les transactions ont été vendues nettement supérieures au prix d'évaluation, bien, c'est sûr qu'il y a ça apporte des changements dans le secteur. Et c'est comme ça que l'assiette est redistribuée de façon à essayer de le faire de façon équitable par rapport au marché, par rapport aux données qu'on vient de donner tout à l'heure, les trois données de base, là, le remplacement, le voisinage et la valeur au marché. Donc, ça ferait le tour au niveau du dépôt du rôle triennal et de la façon d'établir les taux. On verra un peu plus loin, vous constaterez un peu plus loin dans la présentation où on présentera vraiment le compte de taxes comparatif 2012-2013. Parce que là, on s'est simplement focusé, on a principalement axé sur la valeur foncière, mais il y a quand même les services qu'il faut rajouter. C'est parce qu'il y a deux éléments au compte de taxes global. Il y a la taxe foncière, ensuite les tarifs pour ceux qui reçoivent des services. Il y a des services qui sont distribués à l'ensemble des citoyens, d'autres qui sont reliés au réseau d'eau municipal, ils ont un tarif, ceux qui sont à l'égout ont un tarif. Mais pour les matières résiduelles, ben c'est l'ensemble des citoyens qui ont à payer un tarif. Et pour ce qui est des incendies, ben c'est un tarif unique qui n'a pas augmenté depuis au moins 2 ans, à mon avis. Donc, si on poursuit, on va revenir au niveau du budget. Donc, on va parler des activités financières. Donc, c'est quand on parle de budget d'activité financière, c'est le budget qui permet de rendre des services. Donc, c'est notre budget pour la prestation de services aux citoyens. Donc, pour 2013, le budget, le conseil municipal vous présente un budget équilibré avec des recettes de 813 140 $. Des charges d'exploitation. Là, les charges d'exploitation, c'est carrément la prestation de services de 16 233 020 et des affectations de 2 580 000. Lorsqu'on parle d'affectation, c'est composé en partie du remboursement en capital sur la dette à long terme et de différentes transactions à même les surplus, les réserves accumulées depuis quelques années au niveau de la ville. On a des réserves, des fonds de roulement, donc on fait des opérations de financement où on renfloue ces réserves-là, donc ça passe dans la rubrique affectation. Donc si vous faites 18 millions, moins 16 millions, moins 2 millions, ben, on arrive à un budget équilibré ou à zéro. Donc si on se concentre un peu sur les charges de fonctionnement, si on y va par fonction, là, quand on parle de fonction, ce sont les grands départements de prestations de services. Donc, on a l'administration générale. L'administration générale, c'est des départements qui servent de support aux départements qui donnent des services directs à la population. Donc, on a un budget de 2 883 000 à ce niveau-là. Au niveau de la sécurité publique, ça comprend la sécurité incendie, la couverture policière par la SQ, de même que bon, la brigade scolaire. Donc, on a sécurité publique à 2 089 000. La rubrique transport, c'est la voirie, le déneigement, la signalisation, les feux de circulation, l'entretien des lampadaires, l'éclairage des rues, c'est 2 401 000. Hygiène du milieu, c'est la production et la distribution de l'eau potable, la captation et le traitement de l'eau usée, de même que les matières résiduelles. C'est la rubrique qui subit la plus forte augmentation. On va en revenir peut-être plus en détail tout à l'heure. À 3 216 000. On en a déjà glissé un mot avec la gestion des matières résiduelles tout à l'heure. Santé et bien-être, c'est essentiellement le logement social et les contributions au logement. Urbanisme et développement pour 1 233 000 $.
Loisirs et culture à 3 529 000 avec une très légère hausse de 2% seulement pour 2013. Donc, on arrive à un total de 16 233 020. Donc, entre 2012 et 2013, le budget pour la prestation de services a été majoré de 4,7%. Donc, de façon visuelle, pour donner peut-être une idée de la répartition du budget pour les différents services, on peut voir que au niveau de la des loisirs, de la culture, du transport, de l'hygiène du milieu et de l'administration générale, ce sont les quatre rubriques qui s'accaparent la majeure partie du budget en vue de la prestation de services aux citoyens et à la sécurité publique à 12%. Puis la répartition par rapport à l'année antérieure, j'ai vérifié, c'est sensiblement semblable, excepté qu'au niveau des loisirs, on a coupé, on était à 22,3 puis là on est à 21,7. Ça ne fait pas une différence énorme, là. Je pense pas que c'est un peu. On peut considérer ça comme étant équivalent à la répartition de l'an passé. Si on prend cette même galette, cette même rubrique de dépenses, c'est-à-dire les charges d'opération, et on y va par objet, donc sur la nature de la dépense, à ce qu'on peut voir, la rémunération des employés, c'est pour 28,8% du budget, alors que les services professionnels et techniques sont de 26%. Lorsqu'on parle de services professionnels et techniques, ce sont l'ensemble des contrats qui sont octroyés à des entrepreneurs, des entreprises, pour la collecte des matières résiduelles, par exemple, le déneigement des rues, etc. Donc, c'est tous des services qui sont achetés plutôt que d'être réalisés par des employés de la ville. Donc, ce sont les deux plus grands éléments qu'on a dans la prestation de services aux citoyens. Il y a peut-être un élément à souligner, c'est que l'an passé, la rémunération était 29,6% des dépenses par objet, puis cette année de 28,8. Donc, ça veut dire relativement qu'au niveau administratif, ça a été stable au niveau de l'emploi. Il n'y a pas eu d'augmentation faramineuse, ni il n'y a pas eu d'augmentation de personnel. Disons que ça a été sensiblement pareil, parce que même au niveau de la rémunération, c'est moindre que l'an passé la partie. Donc, les principaux éléments de variation, on parlait tout à l'heure de 4,7% de variation des dépenses. Bien, c'est sûr que il y a des éléments dont on doit tenir compte, des éléments dont on doit inclure obligatoirement dans le budget. Donc, on a quand même une provision pour la tenue des élections générales du 3 novembre prochain. C'est un montant de 120 000 $. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas à taxer ou à faire assumer aux citoyens en 2013 la facture pour les élections de 2013, parce que les sommes ont été accumulées les quatre dernières années dans une réserve. Donc, ce montant-là de 120 000, je dois le présenter au niveau des dépenses, mais j'ai un financement à même des fonds réservés par la Ville. Donc, la Ville a prévu de payer comptant ces dépenses-là plutôt que de les faire assumer dans une seule année aux citoyens. On parle du coût de gestion des matières résiduelles. Donc, M. Maire parlait tout à l'heure du coût du traitement, c'est-à-dire de l'enfouissement de nos matières résiduelles non recyclables de 57%, qui augmentait de 57%. Si on prend l'ensemble de la gestion des matières résiduelles, c'est-à-dire la collecte, le transport et le traitement des matières enfouissables, des matières recyclables, des feuilles, des matériaux végétaux et de l'éco-centre du Golfe, la hausse globale des coûts de la rubrique est de 21,9%. C'est 250 000 $. Ça fait quand même un bon impact. On vous expliquera un peu plus tard. Sûrement, on se pose la question déjà à se dire, mais pourquoi ça a monté de 57% dans la même année, puis on est rendu avec un écart de 21,9% sur le tarif global. Parce que le tarif et le contrat qui était signé pour 5 ans, pour période de 5 ans, et on renouvelle la période de 5 ans en 2013, et le nouveau contrat, on a un impact d'une augmentation qui est substantielle au niveau du transport et de l'enfouissement de ces matières, et pour les 5 prochaines années. Mais à l'heure actuelle, là, on l'a étalé sur 3 ans, et les autres années, on va provisionner pour ne pas que dans 5 ans, la même situation se produise aux citoyens, puis qu'on ait une augmentation de 60% dans 5 ans, puis que
Là, on avait ce qu'il fallait pour être capable de compenser la différence avec des retours sur les éléments de recyclage, mais éventuellement, si on n'avait pas ça dans 5 ans, ça pourrait mettre dans une situation où on devrait aller vers le citoyen avec 60% d'augmentation. Donc, nous, on prévoit l'étaler sur 3 ans, et après, on va l'étaler pour permettre d'avoir un coussin, il y a un niveau acceptable dans 5 ans. Pour gérer ces prévoir, ben là, on va essayer de prévoir pour les autres 5 années. Juste pour cet élément-là, là, le tarif n'augmentera pas de 22 %. Là. Le tarif pour la gestion des matières résiduelles sur votre compte de taxe, il ne sera pas de 21 % d'augmentation. On l'a travaillé différemment. Il a failli l'être, mais on a essayé de trouver des solutions pour diminuer l'impact sur le citoyen. Un autre élément qui est quand même important, c'est qu'à l'été 2013, il va y avoir un rinçage directionnel du réseau de distribution de l'eau potable. Donc, ça va être un gros élément. Là. On va faire un rinçage global de l'ensemble du réseau de distribution d'eau. Et on prévoit avoir quelques problèmes avec certaines vannes, là, les valves d'ouverture et de fermeture de certains secteurs qui n'ont jamais été vraiment touchés depuis qu'ils ont été installés. Donc, si jamais il y en avait qui brisaient, on s'est mis une provision de 50 000 $ pour le remplacement de ces vannes-là. Comme on disait tout à l'heure, la masse salariale, ben, c'est 2,5 %, c'est le respect des conventions collectives qui ont été signées avec l'ensemble des employés. Il y a aussi l'escompte, on va revenir un peu plus loin. Depuis l'année 2012, le conseil municipal a accordé un escompte de 1,5 % pour tout citoyen qui désire acquitter son compte de taxe au complet là, à la date de la première échéance, au lieu d'utiliser les 4 échéances. Donc, l'expérience aidant, on a un besoin quand même de 50 000 $ pour donner ce crédit de 1,5 %-là. Par contre, je tiens à souligner que ces recettes-là qu'on reçoit plutôt que de les étaler jusqu'au mois de novembre, nous permettent de générer des revenus d'intérêt avec les soldes bancaires qui couvrent ce montant de 50 000 $-là. Donc, l'effet, quand même, c'est le citoyen qui peut se permettre de payer son compte de taxe au complet à la première échéance. C'est lui, en bout de ligne, qui bénéficie du 1,5 %. Et la Ville, de toute façon, ça ne nous coûte rien à la Ville à ce niveau-là. Bien, ça nous permet d'avoir une alimentation en revenus qui est plus linéaire au courant de l'année. Puis on n'est pas obligé d'aller aux emprunts ou dans la marge de crédit pour se financer entre la réception de comptes de taxes, parce qu'il est un petit peu plus tôt, puis il y en a un petit peu plus tard dans l'année, au mois de novembre, qui nous permet de pouvoir débuter l'année janvier-février. Donc, à ce moment-là, on a des ressources financières plus linéaires, donc plus facile à gérer et moins besoin d'aller dans les marges de crédit pour être capable de se financer. Et finalement, au niveau de la desserte policière, la couverture de policière au niveau de la Sûreté du Québec, comme l'ensemble des municipalités et des villes qui bénéficient des services de la Sûreté du Québec, on a une hausse parce que le coût à répartir entre les municipalités a augmenté considérablement. Donc, c'est 47 000 de plus qu'il faut prévoir au niveau du paiement pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, au niveau de la répartition de nos recettes, on peut voir que les taxes foncières générales vont permettre de générer 10 millions de revenus pour la Ville. Les tarifs pour les services municipaux sont de 4 174 000. Donc, ces tarifs-là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, utilisateur-payeur. Donc, on a des dépenses en contrepartie équivalentes à ce montant-là. Les enlieux de taxes, ce sont les sommes qui sont versées par les gouvernements du Québec et du Canada pour leurs immeubles situés sur le territoire de la municipalité. C'est ce qu'on appelle des enlieux de taxes. Les services rendus, ce sont tous les services que la Ville rend moyennant un tarif. On n'a rien qu'à penser aux inscriptions aux loisirs lorsqu'on demande l'ouverture ou la fermeture d'une valve d'eau quand on a à travailler dans sa propriété. Tous les services qui sont offerts moyennant un tarif, c'est 1 691 000. Et finalement, les transferts, ce sont les sommes qui sont perçues du gouvernement du Québec, soit le retour d'une partie de la TVQ qui est payée par la Ville, et également les subventions versées par le gouvernement du Québec, mais qui sont étalées sur 10 ans. Donc, lorsqu'on fait des travaux d'infrastructure financés,
subventionnée par le gouvernement du Québec. Le montant nous est pas donné, n'est pas donné à la Ville de façon comptant à la fin des travaux. Ils étalent le versement sur 10 ans. Donc, c'est ces montants-là qu'on retrouve là. Donc, de toute façon, pour vous montrer encore un peu visuellement le partage des recettes, on peut voir que les taxes sont de 54,8% des recettes, ce sont les taxes, les tarifs pour 22% et le restant est partagé là, au niveau des transferts, services rendus et paiement en lieu de taxes. On n'a pas atteint notre objectif, mais l'an passé, les taxes représentaient 55,9. Cette année, c'est 54,8. C'est 1% de moins. On viserait s'autofinancer avec d'autres types de revenus que des taxes, que ce soit une taxe sur l'essence, une taxe sur une taxe économique ou peu importe, une TVM, une taxe au lieu d'être une TVQ, une taxe de vente pour des municipalités, mais on n'a pas encore ça, mais peut-être qu'un jour l'activité économique d'une municipalité viendra générer des revenus à la municipalité. Parce que ça fait partie aussi de nos responsabilités maintenant de soutenir le développement économique. Donc, normalement, ça serait peut-être logique qu'on puisse avoir un retour de la dynamique économique. Donc, au niveau des revenus d'opération de la Ville, c'est une hausse de 5,1% comparativement à 2012. L'augmentation des taux de taxes foncières, comme on l'a précisé tout à l'heure, est limitée à 0,9%. Les tarifs pour la gestion des matières résiduelles ont été modulés et on a utilisé des surplus affectés pour financer une partie de ces factures-là. Donc, au niveau du tarif qui sera imposé à chaque propriétaire bénéficiant du service de collecte de matières résiduelles, l'augmentation du tarif est limitée à 6 %. Ajustement à la hausse des prévisions relatives aux recettes de sources locales. On s'est comme rapproché un peu plus de la réalité. Et les recettes tirées du pacte fiscal avec le gouvernement du Québec, c'est le pacte fiscal qui doit prendre fin, je pense, en 2013, prévoyait le remboursement, l'équivalent du remboursement de la taxe de vente provinciale payée en 2005. Donc, on a un 65 000 de plus là, attendu pour l'année 2013 à ce niveau-là. Il devrait y avoir un nouveau pacte fiscal par la suite. Les gens ont commencé à renégocier pour 2014-2019. On verra quels en seront les résultats. Les deux fédérations, la FQM et l'UMQ, ont commencé à négocier avec les différents ministères gouvernementaux. Donc, au niveau des taux de taxation et de tarification pour l'année 2013, on a mis les deux colonnes, 2012-2013. Donc, au niveau de la taxe foncière, comme on a dit tout à l'heure, résidentielle, 6 logements et plus, commercial et industriel, on les a cités tout à l'heure. Le tarif d'égout est ramené à 1,16 plutôt qu'à 1,82 du centre d'évaluation. Ça, c'est pour ceux qui sont branchés sur le réseau d'égout, effectivement. Pour ceux qui bénéficient de l'eau aussi fournie par la Ville, qui sont branchés sur le réseau d'aqueduc, le tarif demeure le même, il n'y a pas de changement. Au niveau de la gestion des matières résiduelles, le tarif a passé pour un logement de 163 par année à 173, donc le 6 % d'augmentation. Et le tarif pour la protection incendie demeure inchangé également. Donc, pour une... Ce qui est important de retenir, là, parce que souvent on se fait poser la question, on a un nouveau rôle d'évaluation, on va avoir des augmentations de taxes. On a expliqué tantôt comment on travaillait pour régulariser la situation. Puis quand on regarde les taux de taxes, bien, ils sont tous inférieurs à ce qui était en 2012, une pièce et 6 par rapport à 1,22. C'est 1,21,98, on peut bien dire 1,22. Quand on regarde, à part les ordures, les autres ont sensiblement demeuré sensiblement pareil des tarifs, malgré les augmentations de l'énergie, l'augmentation des produits. On a pu garder les tarifs à un niveau semblable. Même au tarif des égouts, ça diminue par rapport à ce qui était l'an passé, mais ça va aussi avec l'évaluation. Est-ce que la diminution est réellement sensible? Il faudrait calculer ça. Donc, au niveau du compte de taxes résidentielles moyen, on va revenir un peu comme tout à l'heure. Donc, les valeurs foncières moyennes en 2012 de 129 000 $ pour une maison passent en 2013 à 149 000. Donc,
si on prend un compte de taxes émis en 2012, puis on fait le même exercice pour 2013 et on compare, au niveau de la taxe foncière résidentielle, on voit l'augmentation de 0,9%. Donc, la taxe foncière serait de 1 598 $ pour l'année. Les tarifs pour l'eau, il n'y a pas de changement. Le tarif pour égout va avoir une augmentation de 5,2. Ça, c'est toujours lié un peu à l'évaluation municipale. Oubliez ce que je lui ai dit. Le tarif pour l'incendie demeure le même, et le tarif pour la gestion des matières résiduelles est augmenté de 6 %. Au total, on a une augmentation du compte de taxe de 1,6 % pour la maison moyenne. C'est 37 $ pour une année. Donc, entre 2012 et 2013, si votre maison est évaluée aux alentours de 149 000, 150 000 $ bien, c'est 37 ou 38 $ de plus que vous aurez à débourser pour vos taxes foncières. Et nous, dans nos documents, on dit qu'on est en bas du coût de la vie et c'est réel. Nous, on avait pris comme référence septembre, de septembre à septembre, parce qu'on commence à faire le budget en août. Et à ce moment-là, le coût de la vie était de 1,9. Mais je pense qu'en novembre, il était plus près de 2,2. Donc, on est nettement inférieur au coût de la vie. Et ça représente toujours la réalité qu'on l'objectif qu'on tend à rencontrer à chaque année. Je pense que cette année, ça le démontre officiellement. Là. Si ça a été de 2,2, vous êtes à 1,6 et 0,6 en bas du coût de la vie. Malgré les augmentations qu'on a vues tout à l'heure, puis le pétrole, l'énergie et tous ces éléments-là, c'est le même coût pour les villes que pour les citoyens réguliers. Donc, quand on a des augmentations de coûts par rapport aux biens qu'on achète, automatiquement, on doit trouver des économies ailleurs si on veut être capable de garder l'équilibre et de se garder en bas du coût de la vie. Je pense que l'exercice le prouve. On a un budget qui est balancé à 1,6 %. Donc, deux nouveautés qui avaient été annoncées pour l'année 2012 sont maintenues pour 2013. On en a déjà glissé un mot, le paiement du compte de taxe en quatre versements, donc deux versements en période hiver et printemps et deux versements en automne, donc congé de paiement pendant la période estivale. Et l'escompte de 1,5 %, c'est pour les propriétaires d'immeubles qui payent la totalité du compte en un seul versement, mais à la date de la première échéance. Personnellement, puis mes collègues au conseil municipal, c'est peut-être le plus beau des graphiques pour nous. Parce que si vous regardez le graphique, quand on regarde la partie supérieure qui nous donne la valeur foncière, si on regarde de 2001 aller jusqu'à 2006, la valeur foncière a été stable ou pratiquement stable. Depuis 2006, il y a eu trois rôles d'évaluation, c'est le troisième. Et il y en a eu en 2006, il y en a eu en 2009, puis il y en a eu en 2012. À chacune de ces années-là, on monte d'un palier. Et honnêtement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a enrichi, on a donné une valeur supplémentaire aux résidences des citoyens. On les enrichit par rapport à ce qu'elle avait, la valeur qu'il y avait antérieurement. Ça veut dire que la ville est en développement dynamique. Et lorsqu'on regarde le budget annuel, il y a une augmentation sensible, mais pas de la même équivalence que la valeur foncière. Puis quand on regarde les taux de taxes, bien les taux de taxes, la ligne bleue continue de descendre à chaque année, comme ils ont descendu cette année. Ils ont parti de 1,21, puis ils sont rendus à 1,6. Bien, qu'est-ce qui fait qu'on a un peu plus d'argent au budget qu'on avait antérieurement? C'est parce qu'il y a des valeurs qui se sont additionnées à la valeur foncière de Montmagny, qui enrichit la municipalité et qui enrichit en même temps les citoyens. Quand une ville est en développement, regardez les constructions qui se font un petit peu partout, que ce soit le palais de justice, que ce soit les garages, que ce soit d'autres résidences, que ce soit les trois développements résidentiels, ou les quatre, Caron, GES10, Dumas et Samson, qui sont en construction et en développement. C'est des nouveaux apports à la ville. Le palais de justice, qui a un investissement de 31 millions sur la bâtisse, éventuellement, ça va se traduire par des revenus supplémentaires, que ce soit l'agrandissement de Ressort Liberté ou de l'hôtel Loiselière. Bien, tous ces éléments-là font que ça donne une valeur supérieure à la municipalité, qui est importante pour les citoyens. Bien, nous, on le trouve intéressant.
parce que ça traduit le travail qu'on a fait, ça traduit le travail qu'on fait. Et comme on est en fin de mandat, ben on aime bien dire le travail qu'on a fait. On aime bien dire aux citoyens, ben, soyez heureux, si vous vendez votre maison demain matin, vous allez la vendre 50, au moins 54 % de plus qu'elle valait en 2006. Donc, cet argent-là, elle ne retourne pas à la ville, elle va retourner aux citoyens. Merci. Et voilà pour le budget des dépenses d'opération, des activités financières. Maintenant, on va passer à l'autre partie du budget, qui sont les activités d'investissement et le programme triennal des immobilisations. Je vais vous laisser la parole. Je vais reprendre mon texte. Le programme des dépenses d'immobilisation. Les projets retenus en immobilisation pour l'année 2013 se retrouvent dans le programme triennal d'immobilisation. Ce programme triennal sert à planifier à court et à moyen terme les principaux investissements nécessaires pour entretenir, améliorer ou accroître les services municipaux offerts à la population. Permettez-moi de vous présenter un aperçu des projets majeurs d'investissement que nous avons retenus pour 2013. Comme mentionné dans ma présentation de novembre dernier, les travaux qui étaient planifiés en 2012 ont dû être reportés en 2013, soit la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts de l'avenue du Moulin, de même que la modernisation de l'éclairage de l'aréna. Pour ce qui est des autres travaux d'investissement ou des autres immobilisations pour 2013, je me permets de vous présenter les principaux investissements prévus. Conduite d'aqueduc vers l'hôpital. Nous procéderons à la reconstruction de la conduite d'aqueduc vers l'hôpital. Ces travaux sont estimés à tout près de 1,6 million, qui seront entièrement financés par le retour de la taxe sur l'essence. Ces travaux sont devenus nécessaires et prioritaires compte tenu des bris répétés sur cette conduite qui date des débuts des années 50, ça veut dire de la rue Jacques-Posé jusqu'à dépasser le centre hospitalier. Reconfiguration de l'avenue Mai, réfection de la chaussée de la rue Godreau, prolongement de la conduite d'aqueduc de 14 pouces de la 7e rue. Ce prolongement sera fait à partir de l'intersection de la 6e rue jusqu'au réservoir de la 10e rue, et ce, afin d'améliorer la capacité de remplissage de ce réservoir pour mieux alimenter toute la ville. Pour certains des projets mentionnés plus haut, nous avons demandé une subvention dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité. En vertu des réponses à obtenir, nous aurons peut-être à faire certains choix, tout dépendant de la réponse qu'ils vont nous donner. Resurfaçage de routes et de rues dans les secteurs ruraux et urbains pour un total de 300 000 $. Enfin, au niveau des bâtiments, nous planifions construire une mésaline à la caserne incendie pour améliorer les espaces de rangement de ce service. Le principal investissement en matière de véhicules et d'équipements consistera à remplacer ou à trouver un équivalent au véhicule que nous appelons le trackless, l'équipement qui sert à nettoyer les trottoirs, à déblayer les trottoirs et des sentiers piétonniers, et qui est très utile tant en été qu'en hiver. Enfin, notre projet majeur sur lequel nous pourrons continuer à travailler, c'est notre projet de bibliothèque municipale. En effet, nos gens sont très heureux de pouvoir se remettre à l'œuvre sur ce projet pour le mener à terme. Le service du greffe s'affaire actuellement à finaliser les documents d'appel d'offres de service pour les architectes et les ingénieurs qui auront le mandat d'élaborer les plans et devis pour la construction de la bibliothèque afin éventuellement d'aller en soumission à l'été ou à l'automne. En terminant, je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal ainsi que tous les employés qui ont collaboré de près ou de loin à l'élaboration des prévisions budgétaires d'opération ainsi qu'à la mise en place de notre programme triennal d'immobilisation. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes et je termine la lecture du budget. Je pense que dans l'ordre du jour, on en serait à la période des questions. Pendant que les gens pensent sur des questions, je vais me déplacer. Monsieur le maire, je vais faire lecture des résolutions d'adoption du budget du programme triennal des immobilisations pour ensuite passer à la période des questions. OK, je m'excuse. Je n'avais pas mon ordre du jour. Je vais retourner à ma place pour suivre mon ordre du jour.
Très bien. Donc, pendant ce temps, la résolution 2012-436 est d'adopter les prévisions budgétaires de recettes et dépenses de la Ville de Montmagny pour l'exercice financier couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 au montant de 18 813 140 $ et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif des prévisions budgétaires de recettes et dépenses adoptées pour l'exercice financier 2013. Résolution 2012-437 est d'adopter le programme des immobilisations pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015 de la Ville de Montmagny et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny un document explicatif de ce programme des immobilisations tel qu'il a été adopté. Je prendrai pour ces deux résolutions un proposant. M. Coulomb. M. Boivin, est-ce que c'est adopté? Adopté. En passant, avant d'aller à la période des questions, je remercie le directeur des finances, M. André Lévesque, pour la présentation du budget et on serait prêt à recevoir votre question. Vous vous nommez, donnez votre adresse et posez votre question. Bonjour, Bruno Nicole, 377 Boulevard Taché Ouest, Montmagny. Moi, ma question, c'était tantôt, vous m'avez parlé un petit peu sur l'augmentation des valeurs imposables. Les nouvelles constructions, si on veut, ce que ça peut représenter pour l'année 2013, parce que l'exercice que vous avez fait tantôt, c'était à partir des mêmes valeurs que 2012, mais ce qui permet probablement d'avoir un taux de taxation en bas de 1%, c'est qu'il y a des nouvelles valeurs qui se sont ajoutées, qui apportent des revenus supplémentaires. C'est parce que dans l'apport des revenus, il y a une partie qui est liée à la taxe foncière, puis une autre partie qui est liée à l'augmentation des revenus. Ça peut représenter peut-être 1,75, 2%, je ne sais pas, monsieur, le 5? Encore mieux que je pensais. Le 5% de nouvelles, comment je dirais ça, là? D'ajout au niveau de la valeur foncière. Oui, c'était les dernières années, je pense que M. Demers l'a mentionné, c'était des années où il s'est construit beaucoup de nouvelles unités d'évaluation. Là, on parle de maisons ou d'immeubles commerciaux. Il y a eu énormément de rénovations aussi, d'amélioration. Donc, ces éléments-là, c'est comme ça s'est ajouté en plus de l'augmentation des valeurs foncières, ça s'est ajouté. Ça représente quand même 5 % d'augmentation. Ça veut dire quand on a un conseil qui travaille pour amener un climat, je dirais pas un climat favorable, mais avoir amené des nouvelles familles, des nouvelles entreprises, en bout de compte, c'est toute la population en général qui en profite parce que ça permet de maintenir un taux de taxe, en tout cas, sûrement plus beau. Oui, exactement, parce que si jamais il y avait diminution ou réduction de l'activité économique, automatiquement, ceux qui restent, il faut qu'ils paient la facture ou on se prive de certains services. C'est des décisions qu'on a à prendre. Mais quand on a une augmentation de 5% dans l'année, puis qu'on sait que le taux d'inflation est à 2, ça veut dire que notre croissance économique est supérieure au taux d'inflation, ça veut dire que c'est bénéfique, c'est positif pour la municipalité. Automatiquement, ben, ça nous permet d'avoir un budget où on peut avoir des taxes qui sont plus acceptables par l'ensemble des autres citoyens. Merci. Ça répond à ma question. Est-ce que d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, automatiquement, ça met fin à cette réunion extraordinaire du budget qui se termine sans avoir à prendre une résolution parce qu'on a épuisé l'ordre du jour. 7h55 ou à 19h55. Merci beaucoup. On se retire pour 5 minutes et on revient avec la réunion publique qui a lieu à 20h.